Grenadier, donc, Pierre-Charles Dubreuil, qu'on a écouté aujourd'hui, est un chroniqueur régulier des émissions d'ésotérisme expérimental. Un peu comme toi, t'en as qui reviennent à tous les mois. C'est un de nos amis réguliers à l'émission. Et là, on n'a vu qu'un aspect. Mais c'est un monsieur très érudit dans toutes sortes d'autres domaines aussi. Ben, c'est d'autant plus important qu'il soit passé au micro de BTLV ce soir et qu'on peut applaudir Pierre-Charles Dubreuil. Merci. Merci Christophe pour les premiers entretiens à Montréal. Merci à Denis, à Donald, à Richard, à Gilles, à Louise et à tout le public qui est venu ce soir. Mon Mathieu qui est là-bas. Tu manges pas. Non. Donc, voilà. On se retrouve demain avec Claude Latour qui sera mon invité ici à Montréal. Vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe. Vous avez vu un ovni, vous croyez à la vie après la mort. Vous faites des rêves prémonitoires, vous avez dormi dans une maison hantée. Votre témoignage nous intéresse. Écrivez-nous sur contact@pop-toutelavérité.fr. À Montréal, pour le congrès UFO 501. Voilà, Pierre-Charles Dubreuil. On sait jamais, peut-être un nouveau collaborateur. Sait-on jamais. J'ai hâte de voir si les gens vont aimer ce que j'ai fait. Ben écoute, on verra. Sinon, je t'enverrai des tomates. Ben oui, des tomates par Internet. OK, merci. Merci en tout cas.